Bonsoir à tous et bienvenue sur la console rétro, je suis Jay, je serai votre hôte ce soir comme tous les vendredis. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable semaine, une magnifique semaine, je l'espère, de vacances. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau jeu, dans la limite des stocks disponibles on va dire, puisque c'est un nouveau jeu qui est sur Mega Drive. On va redécouvrir l'incroyable Golden Axe disponible sur Mega Drive, qui est également dans la console, donc la console rétro, que vous pouvez obtenir sur le site la-console-retro.fr ou en utilisant le lien dans la description qui est beaucoup plus rapide, bit.ly/retrojay. Et du coup, vous pouvez avoir une magnifique réduction si vous utilisez le lien et le code promo J10JAY10 pour avoir la même console que moi. Voilà, bonjour à tous, salut Yann, salut les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Posez-vous tranquillement, on va passer sur la console tout de suite. Attention, transition magique. Yep. Là, voilà. Alors, c'était donc sur Mega Drive que ça se passait. Donc on va aller dans la Mega Drive et on va aller chercher notre magnifique Golden Axe, qui est très très à l'ancienne, puisque c'est un des premiers jeux de la Mega Drive. Alors par contre, il faut que j'aille dans la bonne lettre, ça serait bien. Et j'ai oublié mon alphabet. On recommence. Voilà, Golden Axe. Donc, voilà. Alors je crois qu'on doit avoir une version européenne et une version japonaise. Je sais pas lequel est lequel, donc je vais prendre celui-là. Salut à tous, comment ça va? Comment s'est passée votre semaine les enfants? Comment s'est passé vos vacances si vous étiez en vacances? On peut faire ça comme ça. Donc. Alors les options. On a un bouton de magie. Alors on va changer un peu les trucs. On va sauter avec ça, on va attaquer avec ça. Attaque magie, ouais je préfère parce que je sens que je vais balancer un tour de magie dès le début. Et on va jouer en mode arcade. Mais je vois qu'il y a des crédits. Alors normalement Golden Axe est très bien connu, un très bon jeu. C'est vrai, mais je trouve qu'il a pas super bien vieilli. Parce que moi je le compare énormément à Streets of Rage. Et Streets of Rage pour moi c'est la référence du beat'em all sur Mega Drive. Même si Golden Axe est sorti avant en fait. Dettador, c'est le grand méchant, il a envahi le château et il a embarqué le roi et la princesse. Et mon bon pote Alex a été tué dans la forêt. Mince, il parle trop vite. Alors, on saute avec ce bouton là, on met des coups de hache avec ce bouton là. Et normalement je peux parler avec la voix du nain de Nahulbuck. Mais on va pas faire ça parce que du coup vous allez vite en avoir marre. C'est clair, mais bon, après, faut bien aimer. Oui, non, mais par contre, le jeu est très très bien, hein, ça n'empêche pas. Hein, comme je dis, il est précurseur dans
dans ce genre. Golden Axe est une vraie référence du genre, même si il y a double dragon Final Fight également, si je dis pas de bêtises. Je comprends pas avec un autre truc. Non, c'est ça, Final Fight, pas Fatal Fury. Fatal Fury, c'est le VS. Viens là, toi. Viens. Voilà. Donc on récupère des petites fioles pour faire des tours de magie. Et on va essayer de les utiliser le plus loin possible. Par contre, je me fais exploser à la masse d'armes. Ça dégage. Toi aussi, tu t'en vas. Salut Jérôme, comment ça va? Et salut Cédric. Désolé, j'ai oublié de te dire bonjour, mais je vois tous tes messages. Enfin, pour le moment. Oh là. Ah, excusez-moi, j'ai des petits problèmes techniques. C'est bon. C'est mieux. Ça fait un moment que je l'ai plus fait. Eh bien, je te le conseille. Je te le conseille, mais du coup... il est assez rapide, en théorie on devrait pouvoir le finir directement aujourd'hui si je joue pas trop comme un caca. Viens là toi. Voilà, on devrait être capable de faire des tours de magie maintenant. Mais je vais peut-être attendre qu'il y ait un boss. Parce que ma vie ça va. Attends, il n'y a pas de créature dans Streets of Rage. Ça c'est un peu le truc qui manque par rapport à Streets of Rage. C'est que là il y a des créatures, on a une palette de coups, mais dans Streets of Rage il y a la palette de coups. Je trouve que les musiques aussi sont plus mémorables dans Streets of Rage, et les graphismes également. Mais là on peut prendre les créatures des gens, on peut prendre les armes dans Streets of Rage. Ce qui n'est pas le cas dans Golden Axe de souvenir, on peut juste prendre les créatures. J'ai pas pu l'agresser. C'est ça, fallait terminer avant. Meurs! Ah, ça y est, mon prénom sandwich, ça a pas l'air. Abracadabra. Voilà. C'est l'équivalent de la voiture de police dans Streets of Rage. Ce qui n'a absolument aucun sens, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que ça a été réglé dans Streets of Rage 2. La voiture de police dans Streets of Rage n'a pas de sens puisque ce sont des vigilants et ils sont donc hors la loi. Oh là là! J'ai pris un sale coup. Du coup, on va tricher. Donne-moi de la magie. Ah non, c'est déjà fini. Et merci Yann pour le like. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Vaut mieux les faire au boss les magies. Et tout à fait, ouais. C'est la stratégie que j'ai conservée. Merci Jérôme également pour le like. Une référence pour moi sur Mega Drive. C'est de toute façon un jeu de référence sur la Mega Drive. Il fait même Alter Beast par exemple. C'est une grosse référence de la Mega Drive. C'est un des premiers jeux également. Même si Alter Beast se fait relativement rapidement, il est assez dur et le rythme est assez lent également. Alors que la Mega Drive justement c'était un peu la console de la vitesse en fait. C'est pour ça qu'il y a eu Sonic. Hein. Sonic a été créé exprès pour montrer les capacités techniques de la Mega Drive. Sonic elle est si vite en fait qu'il allait même plus vite que la caméra dans certains niveaux. Je me suis jeté dans le vide, idiot bête. Alors on va refaire. C'est même pas lui qui m'a jeté, c'est moi qui me suis jeté tout seul. Stylé le jeu, je vais essayer. Je le conseille, c'est une trilogie, je crois pas qu'il y en ait eu d'autres de Golden Axe. Il y a trois Golden Axe sur Mega Drive. Ouais, je te les conseille. Même si, personnellement, je préfère les Streets of Rage. Enfin, principalement le premier. Hein, mais bon, c'est peut-être celui auquel. C'est celui de mon enfance à moi, quoi. Le Golden Axe, je l'ai eu beaucoup plus tard. J'ai commencé par Streets of Rage. Donc, je pense que je suis pas du tout objectif. Tiens, va-t'en, toi. On peut pas. Par contre, ça, c'est un problème. Je peux pas balancer les gars sur les potes. Allez, ça dégage. Paf. Voilà. Je vais essayer de tricher quand même histoire qu'on puisse voir la fin quoi. Et oui je vous le conseille, il est dispo donc il est sur Mega Drive, il est sur la console rétro hein. Bit.ly slash RetroJet. Pour avoir une magnifique réduction sur votre commande. Il y a peut-être des retards de livraison en ce moment. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Oh là là. C'est normal, c'est à cause de la pénurie des matières premières. Vous savez, hein, à cause des Covid, plus les guerres, plus les exploitations minières. Enfin, c'est l'enfer sur Terre.
Viens là, toi. Mais non! Je peux descendre de ce truc-là ou pas? Oh là, d'accord. Ok, donc j'ai triché. J'ai triché pour voir... Mais de toute façon, il me sert à rien la dernière... Voilà. Attends. Voilà. Il me sert à rien la dernière fiole. Je suis au max. On va peut-être attendre qu'il y ait un vrai boss. C'est pas un boss, ça. Mais, sérieusement. Brûle! Voilà. Lui crache des grosses boules. Tiens. Paf. Paf. Ah oui. Parfait. La grosse triche. Ah, c'était le boss. Il me pique. Il me pique. Ah oui, de la vie. Oh, c'est trop bien, ça, de la vie. Il m'en fallait. Par contre, il me faudrait une vie, pas juste de la santé. Donne de la vie, toi. Alors, que j'explique un peu quand même le système de magie qu'il y a dans Golden Axe. Vous voyez, en haut de ma tête, là, il y a une barre avec 1, 2 et 3. Et en fonction des fioles, en fait, j'active un certain niveau de magie. Quoi, tu dis Joey? Il y a Joey qui est là, c'est ça? Salut Joey, si tu es là. J'ai pas vu de message de Joey. Mais ouais, effectivement, le Covid, ça a tout retardé, et ça, et plein de choses, en fait. Hein. La guerre, hein, vous avez vu, hein, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, il n'y a plus de moutarde de Dijon. Parce que c'est logique, en fait. Vous comprenez pas, vous êtes trop bête. Vous êtes trop bête, pourquoi la moutarde de Dijon n'est plus produite à cause de la guerre en Ukraine. Vous pouvez pas comprendre. Pour en avoir un max, bah, le max c'est 3, là. Mais après, ça dépend de... Ça dépend des personnages. Sur le nain que j'ai choisi, c'est effectivement 3. Donc du coup, j'ai le niveau. Je suis déjà au niveau maximal là. Donc ça sert à rien de choper encore plus de fioles là. Ça ne changera plus rien. Ici là, il y en a des fioles. Je voulais pas les prendre, je voulais les laisser pour pouvoir faire un tour de magie et utiliser les fioles après. C'est pas grave. Faudrait que je trouve un moyen de récupérer des vies. Mais je crois que de toute façon, quand tu meurs, tu peux appeler un continu. Donc si on peut faire ça, c'est bon. On fera des continus infinis comme dans Metal Slug au début quand on s'entraînait. On n'était pas encore classé mondialement. Brûle. Je vais tricher, hein, je vous le dis, hein, au maximum. Tu donnes de la vie, toi, ou pas, non? Magnifique musique classique derrière, là. Avec la côté chromatique. Dommage que les bruitages, là, donnent pas vraiment le top du top. Allez! Il y avait un vrai boss. Je ne savais pas ce truc là. Et du coup il m'a décapité direct. Il reste des crédits. Il va falloir tricher mieux que ça. Je veux voir la fin du jeu. Oh là là, je me fais éclater. Il me prenait pas en sandwich. Non, c'est mort. Voilà. Quoi? À quel moment? Quoi? Il m'a tué en deux coups. Je vais lui mettre des coups de corne jusqu'à la fin des temps. Tiens. Ça dégage. Je suis dégoûté par contre. C'est pas bien de tricher, mais si. Je rigole quoi. Les tours de magie, il me manque tout plein de potions. J'ai pas regagné de vie, je suis un petit peu comme un con.
Alors, on va sauvegarder quand même. Je vais faire ça comme ça. Comment on fait déjà comme ça? Voilà, paf. C'est bien, un palais sanglant, comme Devil May Cry sur ce jeu, mais il faut le finir une fois, je pense. Je me rappelle plus. Ah, ça me dit rien, ça me dit rien du tout, ça. Ah, mais si! Si, t'as raison! C'est dans celui-là ou pas? Je sais plus. Effectivement, il y a un truc. C'est pas la tour de je sais pas quoi. La tour sanglante. Que ça s'appelle, parce qu'effectivement le palais du sang c'est dans Devil May Cry, et c'est pas genre Bloody Tower, un truc comme ça, je me souviens plus. Ça me dit un truc, effectivement. C'est dans ce jeu là. J'ai mis un doute. Paf. Meurs, vide toi de ton sang. Ah, c'est pour ça que ça marche pas. J'ai pris beaucoup trop de coups dans la caboche. Vous êtes beaucoup trop. Des cornes, tiens. Mais quoi? Non, je regrette. Ça, c'est non. C'était ça l'astuce à la base. Il arrive à me tuer comme ça, lui. Ouais. Mais sérieusement, je suis pas d'accord de prendre ce genre de coup. Je lui mets un coup, il doit prendre le coup. Il doit pas être genre invincible et après il me détruit quoi. Ça marche pas. Et voilà. J'ai pas du tout triché, c'est faux. Vous avez rien vu. C'est bizarre, la musique elle fait un peu penser à Sunset Rider, je trouve qu'elle commence un peu pareil. Je pense qu'il a raison ce qu'il dit maintenant, ça me rappelle quelque chose. Ouais, je pense aussi, hein, ça me dit un truc, hein, c'est ça, Bloody Palace ou Bloody Tower, un truc comme ça, non, c'est pas un truc comme ça. Ça me dit un truc. Je me fais éclater, c'est pas bien. Allez, ça dégage. Il a été plus rapide. Ah là là, ma pauvre vie. Je panique pas. Faut rester frais. Non mais ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça me coûte un crédit. Jamais de la vie. Je vous ai dit, hein, je vais tricher. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, ils auraient dû mourir déjà. Lui. Ah ouais, je me fais encore plus arnaquer que depuis tout à l'heure. Jamais. On va le faire tranquillement. On va attendre que lui il meure avant d'aller agresser les autres. Parce que quand il commence à être plus de 1, c'est compliqué. Parce qu'ils me prennent en sandwich, c'est leur strat. Donc il faut que je trouve un moyen de les forcer à pas me prendre en sandwich. Et à pas me foncer dans l'œil. Voilà, ça c'est pas mal. Ah là. Il m'a foncé dans l'œil et je suis mort. Super. Tiens, décède. Allez, salut. Ah
Dali dali, mais je me fais arnaquer. Alors désolé, hein, là je suis un petit peu concentré sur le squelette et le machin là, au Morning Flow là. Morning Flail, je sais pas comment ça s'appelle, Morning Star. Il me tue dans l'œil. Il me tue à l'extérieur de l'écran. Abusé. Vous êtes beaucoup trop. Voilà. Abracadabra et j'espère qu'il n'y a pas un autre boss derrière parce que c'est beaucoup là. Oh, elle continue. Ah, attendez. Voilà. Ça va coûter un continu mais c'est pas grave. T'affrontes plein d'ennemis sur plusieurs niveaux. Après, je sais plus si c'est celui-là. Je sais pas si c'est pas dans une suite. Mais ça me dit un truc, hein, vraiment. Je prenais toujours le balèze avec son slip bleu. Salut Melka, t'as fini Lara Croft? J'adore ta manière de tourner la phrase. Je suis effectivement allé au bout de Lara Croft. Si c'est ta question. Non mais là ça par contre ça s'appelle un gangbang et ça c'est pas autorisé par la Convention de Genève. Non mais on n'est pas en train de tourner un épisode de Jacques et Michel, merci. Voilà, salut. Au revoir. Voilà, venez mais un par un. Et jetez-vous dans le vide aussi, ça c'est bien. Allez dans le vide. Va dans le vide là, je donne le rhume jusqu'à ce qu'il meure. Voilà. Parfait. Jette-toi dans le vide aussi toi. Ah. C'est bon. J'ai oublié de sauvegarder trop tôt. Dali dadi dadou. Dali dadi dadi dadou. Gameplay est très intéressant mais efficace. Désolé, c'est la concentration. Hein. Quoi? Mais non! Jamais de la vie tu fais ça! Jamais! Allez, tu dégages, toi aussi. Et voilà, par derrière. Et voilà, terminé. Abusé. Et voilà, quand il me prend par surprise, ça va pas du tout. Hein. Ah, c'est une histoire d'amour. Ah, la fin, ça a été compliqué. Hein. L'histoire avec les démons, là... Ça a été difficile à accepter. Hein. La fille est pas mal aussi. Généralement, je joue plutôt les filles dans les jeux. Hein. Genre dans Streets of Rage, je joue Blaze. J'ai un pote qui dit que c'est Anna Romanoff. Parce qu'elle est habillée en rouge. Qu'elle est brune. Bon, vous m'ennuyez. Faire le viking jusqu'à la fin des temps. Da di da da. Oui, c'est la fin du niveau. C'est une arnaque totale, mais avance. Je crois que c'est le boss final à cet endroit-là. Je crois que c'est le niveau du boss final et que c'est ultra dur. Et qu'il fallait que je prenne plus de potions d'ailleurs.
Alors attendez, on va préparer le truc. Voilà. Je sais plus s'il sort par là. La fin, elle est très très dure. Aïe aïe aïe. Essaie de rester concentré. Il y en a d'autres après, hein. Je sais que même si je le défonce, il y en aura d'autres. D'ailleurs, non, c'est pas le dernier niveau. Il y a encore deux niveaux derrière, il me semble. Donc on va avoir game over. On reste qu'un seul crédit, ça va pas du tout. Abracadabra! Streets of Rage, je prends toujours le blondiné. Axel! Il me semble. Je crois que c'est Axel son blaze. Parce que c'est des gros muscles, c'est ça? Je préférais Blaze parce qu'elle est plus rapide. Vous connaissez ma patience, hein. Moi, il faut que ça aille vite les choses. On n'a pas le temps. Oh là là! Me fait exploser la tronche. Esquive! Aïe, j'ai pas esquivé du tout ça par contre. Par contre, c'est ma dernière vie, donc je me fais toucher deux fois, c'est game over. Je me fais toucher une fois, c'est game over. C'est le game over. C'est pas mort. Là, c'est le jeu mieux. Squelette, comment ils pouvaient m'énerver, mais tous, hein. Je vois pas pourquoi les squelettes en particulier, à part qu'ils ont beaucoup de vie. Je crois que c'est pas le dernier niveau, hein. Vraiment. Je crois vraiment qu'il y a un autre niveau derrière. Abracadabra. Voilà. Ta faute, j'y joue maintenant. Ah, j'ai réussi mon taf. C'est ça qu'il faut. Le but, c'est que vous jouiez à Golden Axe pour que vous soyez meilleur que moi. Oh là, par contre... je sais plus, c'est game over après ou pas, ou j'ai encore un continu. On va savoir tout de suite. On va continuer. Okay. Me fait éclater par tout le monde. Esquive! Esquive! Aïe. Viens là toi maintenant. Tu vas faire quoi sans tes sbires? Aïe, tu vas me mettre un coup de hache, je vais mourir, d'accord. Ça c'est abusé, par contre il a une frame d'invincibilité, ça me plaît pas. Tant que ça marche, je vais le défoncer comme ça. Aïe, ouais, ça marche plus. J'étais un peu moins réactif peut-être. Aïe aïe aïe, ma vie.
On y croit. On va le faire. Par contre, je peux pas tricher, visiblement. Il a une frame d'invincibilité derrière. C'est pas passé, je me fais toucher, c'est game over. C'est gagné. Ah bah si, c'était la fin, mais il me semblait qu'il y avait un autre niveau derrière. Il y a peut-être un autre niveau derrière. On a triché un petit peu. Un petit peu beaucoup, mais ça passe en vrai. Et voilà pourquoi je disais, il a peut-être pas très bien vieilli. Ah, c'est pas fini. On n'a pas la vraie fin. Voilà, oui, je me souvenais qu'il y avait encore des trucs. Mais du coup, j'ai plus de crédit, j'ai plus rien. Là, maintenant, je me fais toucher, c'est game over. Donc là, je ne peux plus finir le jeu. Faut que je termine le jeu sans me faire toucher une seule fois. J'ai pas perdu de vie, cela dit. Il tombe pas dans le vide, lui. Voilà. Toucher, c'est game over. Hein. Donc là, faut le faire sans se faire toucher. Je vais y arriver. Non, non. Mais non. Va dans le vide. Ah, bon bah rip. C'est mort. Je peux pas... Mais y a un trou là ou pas là? Oui, y a un trou mais j'ai pas le droit d'y aller. Est-ce qu'on peut tricher par là? Oui, apparemment. J'ai pas peur! J'ai pas peur du tout. On peut le faire. On peut le faire. D'accord. Faut que j'arrive à le faire, mais sans me faire toucher, quoi. Toujours trouver les squelettes chiants. Mais oui, je l'ai vu, du coup, ce message. Mais je vois toujours pas leur rapport avec, avec le squelette en particulier. Parce que... ils sont tous pareils, en fait. Non ? Il y a vraiment un truc avec le squelette ? Pas qu'il me touche. Faut que je triche. Faut que je fasse ça, que je l'énerve et qu'il se jette tout seul dans le vide. C'est vraiment ça l'astuce. Dégage ! Oh là là. Ça serait bien d'avoir toute la magie aussi. Faut le faire. Yes. On l'a fait. Donc on est full magie. Je crois qu'il y a le boss de fin derrière qui est, mais il est insupportable. Je peux pas le faire. La fin risque d'être tendue. Bah ouais, parce qu'il faut que je fasse le boss de fin. Il me semble, hein, il me semble qu'il y a le boss de fin qui est encore pire que celui d'avant. Avec plein de monstres d'ailleurs. Il faut que je le fasse sans me faire toucher une seule fois. Donc ouais, c'est très compliqué. Mais on va tricher. On va le faire. Oh, je me souviens. C'était de ça dont je me souvenais. C'était de ça dont je me souvenais. Bon, allez, va-t'en, toi. Tu m'ennuies. Et ils m'en ont remis encore. Mais arrêtez avec la magie. C'est bon, j'en ai assez. C'est mort.
Ouais, c'est 0 dégâts. Hein. Un dégât égale décès. Alors, c'est lesquels qui bougent? Tant que je garde le trou là, je devrais pouvoir me débarrasser d'eux sans trop de problèmes. Enfin, sans trop de problèmes. Disons que je peux tricher quoi. Faire comme ça, et là c'est moi qui suis mort par contre. Oh là là, et puis il y a une détente. 15 km son épée quoi. Tu veux écrire l'histoire de Golden Axe? Écris l'histoire. Non, c'est pas ça. Avec un morceau de vie, mais oui. C'est faisable hein. À une seule barre, je vais le faire. Je triche beaucoup, mais je vais le faire quand même. Pour montrer que c'est possible. Par contre, non mais la hitbox, ça fait la moitié de l'écran, vous êtes sérieux? Croise les doigts, j'ai besoin du Genki-Dama. Levez les bras pour me balancer la force. Oh là là. Je me souviens de mais c'est pas les pires, parce qu'il y a encore un boss derrière. Vous voyez la moitié de l'écran. Ou alors... Mince, j'ai fait de la merde. Oh là là. Ah puis et aussi il faut que je vous dise, j'ai plus l'excuse de la manette parce que j'ai changé de manette. Donc ma manette elle est toute neuve. Oh là là. Je suis même pas sûr que c'est la fin en plus. Non, il y a un boss derrière. Il y a Death Adder, on se bat contre Death Adder à un moment. C'est pas le boss de fond ça. Mais je me souviens aussi que le premier coup quand j'avais fait, j'avais galéré. Je crois que j'avais utilisé la magie à cet endroit là et que j'avais grugé le boss de fin autrement. Il me semble que c'était sur le boss de fin que j'avais grugé. J'avais réussi à le bloquer dans un coin et je l'avais éclaté dans un coin. Je crois que j'avais fait comme ça le premier coup. Oh là là, juste un coup de bouclier, hein, il a rien fait. Si dégaine son épée, en fait, je suis mort parce que il y a tellement de détente dans son épée que voilà, moitié de l'écran, il n'y a rien à faire. Ah là là. Après ça, il y a encore des stages et le boss, il est chaud. Le boss est très très chaud, mais il y a encore des niveaux. Je crois qu'il y a encore la fin de ce niveau-là. Il me semble que le niveau est pas fini après eux. Même si on galère, de toute façon on a 2 heures, hein, donc enfin on a 2 heures, il nous reste 1h20, mais on va le faire, il y a moyen de jouer. Ah bah attendez, on va faire ça déjà, on commence à en avoir un peu marre. Je peux pas l'éclater, hein. Y a rien à faire, dès que je le touche, l'autre il me défonce, y a rien à... On peut pas les avoir un par un quoi. Faudrait que je trouve un moyen de... Genre lui, pendant qu'il est là-bas, lui je l'éclate, je le jette dans le vide. On peut pas le jeter visiblement. Ou alors il se jette tout seul. Pardon ! Il marche au-dessus du vide ! Cette arnaque ! Le jeu triche aussi. Si tout le monde triche, comment on fait pour gagner ? Y a plus de règles. Je peux pas le jeter dans le vide. Ça va être dur.
j'ai encore fait n'importe quoi. Ça c'était la pire chose à faire. Parce que maintenant il est en dehors de l'écran et que je peux pas le toucher. Je l'ai jeté dans le vide! Oui! C'est bon! Il a réussi à tomber, il a réussi à arrêter de tricher. La magie de la fille est plus grande et donc plus efficace, je pense. C'est vrai que tu peux plus stocker plus de mana avec la fille. Je vous dis, d'habitude, je joue plutôt les personnages féminins dans les jeux. Mais bon, là il y avait un nom, ça marchait mieux. Et un truc qui me redonne de la vie, ça vous tenterait pas? Parce que là, c'est le boss de fin. Et du coup, là, faut que je fasse le boss de fin sans prendre un seul dégât. Ça va être très très dur. Ça va être extrêmement dur. On peut le faire! On y croit! On y croit à mort! Sans prendre de dégâts! Aïe aïe aïe! J'ai oublié de sauter. Pauvre Jay. Je suis en dépression, mais ça c'est pas un problème. Je suis habitué, vous inquiétez pas. Trouver un subterfuge, je sais que c'est faisable, c'est mon instinct de gamer qui me le dit. Faut vraiment que je me casse, je peux pas l'enchaîner. Explosion. Oh là là! Et puis en plus j'ai pris la save state au pire endroit. Le rythme est compliqué, hein. N'importe quoi. J'ai fait nimp. Aïe aïe aïe. Je peux pas l'esquiver. Je peux rien faire. J'essaie de sauver le coup mais... Mauvais réflexe. Je suis pas du tout dans la souffrance. Vas-y manger. Je crois que t'as fini Lara Croft, c'est du tout cuit. Je vais y arriver. Je souffre, hein, mais je vais y arriver.
Ça peut pas être effectivement, ça peut pas être plus compliqué que Tomb Raider. On peut tout faire. On a réussi à faire Tomb Raider. Sacre bleu. Aïe aïe aïe. Je crois qu'en plus on est obligé de tuer les squelettes d'abord. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Je me souviens plus. Parce que il me semble que je crois que j'étais bloqué le dernier coup. Parce que j'essayais de tuer. Ou alors non, ils sont invincibles. Je sais plus, je crois qu'il y en a qui sont invincibles. Je crois que les squelettes sont invincibles. Et qu'il faut tuer Death Adder. Si je tue Death Adder, c'est gagné. Et que les squelettes, on s'en fiche en fait. Ils ont aucune valeur. La musique pourrait être plus entraînante. C'est pas le truc le plus fun qu'on ait entendu. Même si on sait que c'est le boss de fin, que faut mettre une autre musique avec de la tension. Oh là là. Le moindre coup, hein. Le moindre coup, c'est game over. Y a rien à faire. Oh là là. Si je reste sur lui. Si je vais loin, il me fait son tour de magie. Du coup, l'esquive, elle est inévitable. Si je reste sur lui, je me prends un coup de hache. Est-ce qu'on se fait chier? La souffrance, c'est presque aussi pire que Tomb Raider. Tout ça pour voir la fin de Golden Axe, hein, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous me faites subir toutes les semaines. Pour vous montrer les fins de jeu, quoi. J'espère que vous vous en rendez compte, hein, que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ce que je fais pour vous. Il prend aucun dégât. Hein. Je le tape, hein, mais il prend zéro dégât. Par contre, lui, il peut bien me défoncer derrière. Ça, il n'y a aucun problème. Merci Sébastien pour le like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne journée, une bonne semaine, une bonne jolie. Il est bloqué, il est plus bloqué. Pas de stress, j'ai aucune raison de paniquer. Il peut pas passer derrière. Il attend tranquillement. Ils sont invincibles là si je fais ça.
vois, je me fais défoncer là, sérieux. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Ça, par contre, ça devrait pas pouvoir arriver. Dans quel sens je dois les tuer? Je dois tuer Death Adder et les squelettes, on s'en fiche? Ou les squelettes sont invincibles? Je me souviens plus. Je crois qu'il y a une histoire comme ça, comme quoi les squelettes sont invincibles. Pas ça. 3 contre 1. C'est vrai que... Puis il faut voir en plus, hein, je suis un nain. Eux ils sont revenus des morts par le gros magicien là. Moi je suis un pauvre petit nain qui veut juste bouffer de la barbac tranquille dans son pays. Et je me fais exploser la tronche par un gros magicien. Ah là là! Tiens! Par contre, si je fais ça, je me fais exploser par le squelette or après. Oh là là, c'est dingue! Dingue cet enfer! Ah ouais! Il y a un dragon derrière! Merci David pour le like, bienvenue sur le live. Il y a un dragon donc. Ah ! J'en ai pas marre, ça me casse pas la nouille. Il faut se conditionner. Hein. C'est la pensée positive, hein, la méthode couille. Faites donc ça. On va y arriver. Hein. Y a aucune chance qu'on n'y arrive pas. Hein. Salut Florent, comment ça va? Florent ou Trine d'ailleurs? Florent, j'imagine. J'ai fait n'importe nawak. Du coup, maintenant, il y a les traductions. Et merci Seth pour le partage du stream, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Oui! Oui! Ça y est! L'arnaque, elle est présente! Ah, elle est plus présente. Ça marche plus. Attends, j'avais réussi tout à l'heure. Comment j'ai fait? Comme ça? Non, il arrive par derrière, donc ça marche pas. Ah là, mais sérieusement! Je me fais gangbanger dans tous les coins du jeu. Est-ce que je peux pas tricher là aussi là? Non. J'essaie de tricher comme ça là. Je suis pas sur le même plan. Le jeu considère que je suis pas sur le même plan, donc je peux pas prendre de dégâts. Si je suis là. Il est obligé de se déplacer pour venir me taper. Lui par contre il peut passer par derrière et ça me plaît pas. Le jeu est en train de tricher, mais c'est pas grave. Tellement vu arriver de loin.
régresser là. On est d'accord. J'ai fait n'importe nawak, mais si je me mets là, du coup je suis invincible. Pas du tout. J'ai tellement envie de sauvegarder, mais je peux pas le faire. Pas rien faire, t'as même pas 2 secondes pour souffler quoi. Petit Jackie Chan sur NES, je termine le jeu d'abord. Et après, ouais, si tu veux. Mais attends, il y a eu Jackie Chan sur NES? Je connais pas celui-là. Je connais Jackie Chan sur PSX, ouais. Mais sur NES, ça me dit rien du tout. Ah, j'ai sauté trop tôt. T'as pas le temps de souffler, hein. C'est un truc de ouf. Le combat dure 700 ans. Sérieusement ? Je triche à mort, mais c'est pas grave. Et j'ai encore remis la traduction. Bonne soirée, salut Cédric, merci d'être passé, merci de soutenir. Comme d'habitude, là du coup je suis en train de paniquer, je fais n'importe quoi avec ma manette. Faut éviter les coups, mettre des coups, recharger la sauvegarde. Entre temps, je fais les moves de traduction en direct. Là j'ai tout lancé là. Là il y a tous les trucs, y a tous les trucs en même temps là. Il y a l'accélération, je crois que j'ai tout planté d'ailleurs. Ouais. Alors attendez. J'enlève ça, je remets ça, voilà. Donc je mets ce coup, je reviens là, je tape lui, je retourne là, je mets ce coup, je reviens là, j'évite lui. Ça n'a pas de sens, le jeu n'en finit pas. Perdu là. Il est passé derrière. Il faut absolument pas que ça passe derrière. Oh mais sérieusement, laisse-moi vivre 2 secondes, j'ai le droit de souffler ou pas? Elles sont increvables, je vois ça. Mais tous, hein, tous sont increvables. Je sais même pas s'il perd de la vie, lui. Hein. Il a pas de barre de vie, donc on ne sait pas, on ne saura jamais. Hein. On sait pas si ce qu'on fait c'est suffisant ou pas. Là, je me fais éclater juste. Voilà, ça y est, on triche. Je triche, c'est bon. Allez, terminé. Ça y est. Je vous avais dit qu'on allait y arriver. Ça nous a pris 7 ans.
7 ans et demi, mais on l'a fait. Merci à tous de le Genki Dama. Vous êtes trop mignons. Merci de m'avoir supporté. On va voir la fin de Golden Axe. Et après, du coup, on va mettre Jackie Chéri sur NES. Oh, il m'a fait mal à la tête ce jeu. J'en peux plus. J'ai envie de m'arracher les yeux. C'était la fin de Golden Axe. Il se finit assez vite. Un peu à la manière de Altered Beast. Si vous voulez, c'était l'époque des jeux arcade portés directement sur console. Donc c'était l'époque où, pour terminer le jeu, fallait mettre des pièces à foison. Et là, du coup, on nous autorise 3 vies par pièce et 3 pièces. Donc bah après, tu refais le game over et tu recommences du début, quoi. Donc la galère sans nom. Et t'as aucune indication en plus à la fin. Les jeux étaient relativement courts en fait. C'était assez court. Mais t'avais un niveau de difficulté qui était qui était fou quoi. Oh, j'ai envie de tomber dans le coma là tellement j'ai mal au crâne. On va faire une sauvegarde quand même juste pour le délire. Et on va passer sur NES. On va lancer Jackie Chan. C'est moi qui t'ai conseillé la semaine dernière. Ouais, non, t'inquiète, je t'en veux pas. Hein. Pas entièrement en tout cas. C'est parti. On va aller sur la NES et on va voir Jackie Chan. Il s'appelle juste Jackie Chan du coup, Flan. La NES, c'est là. Celui-là, là. Jackie Chan, action kung fu. Merci Lionel Véronique Thirion Dupré pour le like. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Ou j'espère que vous allez bien. Lionel et Véronique peut-être. Jackie Chan donc. Action Kung Fu. Je ne connais absolument pas ce jeu. Pour moi, le premier Jackie Chan qui est sorti, c'était Jackie Chan sur PSX, qui était tiré de la série animée, qui était vachement cool d'ailleurs. Il y avait une ambiance qui était géniale dans ce jeu d'ailleurs. Je me souviens d'avoir passé très bon moment dessus. Alors. C'est moi qui joue là ou pas? Je bouge pas là. C'est pas moi qui me déplace là. Mais c'est peut-être normal. Ça avait l'air d'être normal. Oh d'accord, il y a beaucoup de niveaux. Les graphismes sont choupis. Alors on a un bouton pour faire des coups de poing et un bouton pour sauter. On peut mettre des coups de pied par terre aussi comme ça, avec une protection. On a une musique qui est pas du tout cliché asiatique, tout va bien. Et on a des grenouilles qui donnent des... C'est quoi? Ah d'accord, il y a des coups spéciaux donc. Ah! Il m'a même pas agressé qu'il m'a déjà fait mal. Heureusement les boules vertes redonnent de la vie, d'accord? Ça fait rien du tout. Okay. On va aller là sans mourir. Ok. On n'a pas de... Il y avait des piquants, d'accord. J'avais pas vu. Mais d'accord, il tient pas dans la cascade. Ok, je viens de comprendre. On n'a rien pour courir en fait. On est obligé de marcher tranquillement. Les boules vertes ne redonnent pas de la vie en fait. Je croyais mais non. Pas ce que ça donne. C'est la mort. C'est la mort qui t'a assassiné, Mathieu. Ah, c'est game over en plus. Ah ouais. Mais genre, ça rigole jamais, quoi. Il y a un continu, quand même. Mais du coup, ça sert à rien de continuer. Continue 4. Attends, il y avait marqué Continuous 5 tout à l'heure. Je suis pas sûr de ce qui vient de se passer là. J'essaie de comprendre un peu tous les trucs. Hein. Je sais pas à quoi ça sert les petits boules vertes là. Je viens de comprendre l'histoire des cascades. Vraiment, tant que j'ai les pieds sur la cascade, je meurs.
Enfin, je meurs, je tombe en dessous. Ok. Tiens. Voilà. Magnifique. Ah, y a un truc qui redonne de la vie. Ah, une petite clochette. Quoi la clochette? C'est un menu, un niveau bonus. Vers le haut en même temps que le coup. Oui, ça j'ai vu, mais c'est pas ça que servent les boules. J'ai pas compris encore à quoi servaient les boules. Ah mince, faut que je me dépêche. Perdu. On peut pas sauter plus haut. Sacre bleu! Ça va trop vite pour moi. Non, c'est faux. C'est juste les coups comme ça que j'arrive pas à piger. J'ai fait pile le bon nombre. J'ai gagné quoi là? Une vie? Je gagne qu'une vie, d'accord, c'est bien déjà. Je vais mourir dans les pics. Il est mignon ce jeu. Les graphismes sont tout choupi, hein. Tout kawaii. Alors j'ai une nouvelle technique maintenant. Si je fais ça, hop, un coup de boule, salut. Très bien, c'est exactement ce que je voulais faire. Alors. C'est quoi ça? Il y avait un Nunchaku. Je me fais agresser par des poissons volants. Comment je le... D'accord. Super. C'est très très dur. C'est très très dur. Le jeu pardonne juste jamais en fait. Et tu te fais éclater au moindre truc. Chaque plateforme est une mort imminente. Et c'est game over. Tout de suite. Hein. Dès que t'es mort, c'est game over. On va tricher du coup. Heureusement, les save states sont là pour nous sauver la vie. Du coup, faut faire en speedrun. Allez hop. Ça sent le piège. Je l'ai vu venir. Ça aussi ça sent le piège. Je peux pas l'enlever ce truc là. C'est Krilin. Je vais quand même pas me faire défoncer par Krilin. Niveau bonus. Merci Eliane Chagrin pour le like, bienvenue. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Que t'as passé une bonne semaine. Je sais pas ce que je dois faire. Ah, je dois les tuer. D'accord. Aïe! Tape trop tôt ou trop tard, il faut vraiment avoir le bon timing. Je me fais éclater, hein, c'est un truc de ouf. J'ai absolument pas réussi. J'ai gagné de la vie. J'ai pas gagné une vie, j'ai gagné de la santé. Quelle tristesse. J'aurais pu tricher et refaire. Qui m'a balancé son truc dans la tronche. Et du coup j'ai perdu 2 points de vie grâce à son truc. Et bah génial. Oh, y a un côté Megaman là. Dans la musique et dans le gameplay.
Lui, il m'a explosé. Super. C'est passé. Ah! Qu'est-ce qui m'a tué? Des piquants? Je refais, il est hors de question que je fasse un game over là-dessus. Voilà. Paf. Parti, le talon. Le talon et la concentration. J'en profite pour tricher. Tant que je peux. Non, c'est trop tard. Je vais piquer les fesses. Oh là là, sérieusement? Full life. Parfait ça. Ça sent le boss là quand même. Non, c'est bon. Là, ce niveau, ouais, grave. Il y a une vraie ambiance, Megaman. J'aime bien Megaman, mais c'est trop dur. Mais j'aime beaucoup Megaman. Salut Laetitia, comment ça va? La forme. Et ça aussi, ça fait penser à Megaman. Je vais me faire éclater, je le sens. Comment je fais là? La tête. La tête, j'ai l'impression. La tête. Eh ben, il y en a des niveaux. Si tu te prends un game over à chaque fois que tu meurs, c'est... Il va être galère à finir ce jeu. Là aussi, la musique a une grosse inspiration de Megaman. Hein. C'est la rythmique. Hein. La rythmique qui fait tout. Je vais mourir là, non? Ça va. Mais quoi? Il fait des Hadouken lui, ça va pas. Aïe aïe aïe. Mes deux points de vie. Mais sérieux. Je peux pas me faire arnaquer comme ça par le jeu, ça va pas. Hein. Quoi, mais la précision de la hitbox, c'est vraiment, c'est le bout du pied, quoi. Si t'as pas le pied pile dans son museau, ça fera rien du tout, quoi. Ah, et lui, de toute façon, fait son Hadouken, quoi qu'il arrive. J'ai perdu 50 points de vie, là, par contre, faudra m'expliquer. Hein. À quoi ça sert les boules vertes? On peut faire un truc avec les boules vertes? Merci Vince pour le like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Il y a des petits bâtons. Esquive. Ah! Aïe aïe. Mais deux points de vie, mais sérieusement, il n'y a pas de temps d'invincibilité. Je viens de me rendre compte de ça. C'est quand je me fais taper, si l'ennemi est encore sur moi, et ben je meurs. Merci Laetitia pour le like. Bienvenue sur le... Ah, sur le live. Arnaque. J'ai des continues. Ouais, j'ai vu. Il y a 4 continues, mais... du coup, c'est l'équivalent de vie en plus. Enfin, même pas. C'est même pas l'équivalent d'une vie, parce que... Sur une vie... Il est pas là mon niveau bonus. Il n'y avait pas un niveau bonus à cet endroit-là, normalement. Sur une vie, tu peux continuer là où t'es mort, en fait, directement. Alors que sur le continu, t'es obligé de te refaire le niveau que tu viens de faire. Donc ouais, mais non.
pas la même chose. Et puis t'as que 4 continues, ce qui veut dire que t'as 4 vies pour terminer le jeu. Ce qui est une arnaque totale. Ah d'accord. Donc en plus il faut que je joue avec la caméra. Bah super. Lol. Amusement. Et pas difficile, c'est dans la tête. J'ai trouvé une arnaque pour les cailloux. What? Sérieux? Ils ont craqué quand même. Hein. En termes de difficulté, ils ont craqué. Hein. C'est fluide et précis. Quand t'as l'habitude, tu te balades. Les musiques, c'est un régal. Oh non, mais il est stylé. Hein. Il est stylé le jeu, mais par contre, ouais, effectivement, la précision du jeu là, elle est trop. C'est trop exigeant. Et là, je marche sur de la glace, donc je vais mourir. D'accord. Là, je peux pas éviter. Je vais mourir de toute façon. D'accord. Donc on va faire ça. Hop. Allo Ken, il m'a tué. Je peux pas l'éviter ça, sérieusement, je sais qu'il le fait. Regarde, je fais ça, je le tape. Ah, quand même. Ça c'est pareil, pour aller au-dessus là, faut faire un truc de déglingo. Je vais le faire. Donc là, faut sauter en dehors de l'écran, sur un tout petit cube de glace. Qui veut dire que tu glisses. C'est une précision de psychopathe qu'on te demande. Je sais toujours pas à quoi servent les boules vertes que je récupère. Je sais qu'il y a un compteur en bas, mais utilité zéro quoi. Pas faire ça, d'accord. Et quoi? Ah mais en plus il faut prendre de l'élan là sur le petit cube de glace. Mais vous pouvez pas être sérieux. C'est débile. C'est débile de difficulté. Ça n'arrivera pas. C'est des points, mais je m'en fiche des points. Moi, ce que je veux, c'est de la vie. Le jeu est rat sur la vie. Hein. Putain, on croirait mon père tellement il est radin. Quoi. Paf! Je prends le dégât, vraiment. Mais je le tape! Putain, la permission de ce jeu, il y a aucune tolérance. Hein. Putain, c'est Emmanuel Macron, quoi. C'est dingue, c'est dingue la difficulté du truc quoi. C'est la tête. Comment je fais quand j'ai plus la technique spéciale? Aïe. Taper dans le torse. Aïe. Ah ouais, le gameplay c'est Megaman, hein, vraiment. Même la musique. Non, c'est grave inspiré de Megaman, hein, en fait. La tolérance du jeu, la précision du truc, les ennemis, les musiques. Regardez-moi, j'ai perdu 2 points de vie parce que je suis passé au travers de la plateforme là. Parce que ça, c'est pas une vraie plateforme. Et donc comme je passe au travers, je prends un dégât, mais comme il n'y a pas de période d'invincibilité,
Et ben du coup, c'est le décès direct. Je prends 2 dégâts. Parce que la hitbox est colossale. Ça me fait penser au niveau... D'accord. Ça me fait penser au niveau dans Sonic avec les tortues volantes là. Et si tu te vautres, voilà, si tu fais ça par exemple, tu redescends au niveau d'en dessous. Génial hein. Ça c'est de l'amusement. Pas de stress. Y'a aucune raison de stresser. Je vois pas pourquoi je stresserais. Ok. Ça a passé. Quelle heure il est? Je vérifie l'heure quand même. Ah d'accord. Ça, j'avais pas fait gaffe à ça. Ce qui veut dire que... Voilà. C'est pas grave. Pas grave non plus. J'ai réussi. La souffrance est réelle. D'accord, donc lui il faut le taper au coup de poing. Je le tape au coup de pied, ça va pas. Ah ouais, le coup de pied il veut vraiment pas quoi. Fallait garder le bâton magique, j'imagine. Ouais, y a aucune tolérance. Hein. Vraiment, tu rates le truc. Tu rates le truc, tu prends le dégât et comme y a pas de période d'invincibilité, tu meurs. Tout de suite derrière, quoi. Là. S'il me touche, c'est game over. J'ai fait la save state. Ouais, c'est bon. Y'a jamais rien qui me donne de la vie. Hein. On peut crever. Hein. Ça, c'est aucun problème. Faire tout le niveau sans que je me prenne un seul dégât. Mais on va le faire, hein. on a fini Golden Axe sans prendre un seul dégât, donc... Donc il y a un moyen, il y a un moment où ça marche. Hein. En plus qu'il tire des boules blanches. Ça serait bizarre. Jackie Chan qui tire des boules blanches, c'est pas le vrai jeu de Jackie Chan. C'est ses premiers rôles, ça. Entre. Esquive. Je peux revenir? Ah oui, je peux revenir, mais il n'y a plus le bâton magique. Eh bah super. Comment je vais faire maintenant? Je peux pas l'éviter? Mais quoi? Sérieusement? Ce niveau n'a jamais de fin. Je
À quoi sert la boule verte toujours, hein. Même si tu me dis que c'est des points, j'ai du mal avec ça. J'arrive à esquiver le poisson lune là, le fougou. Ok. Ça vole ou pas cette merde? Non. Pas pour l'instant en tout cas. C'est bon. Fin du niveau. Toujours pas. Ça s'arrête jamais. Ce jeu n'a pas de fin. De kiff. Il est ouf. Ils sont ouf. De la vie, donne de la vie. Mais sérieux. Fin du niveau. Au moins si on meurt et qu'on doit avoir un continu, ça sera ici quoi. Peut-être. Je sais pas, ça se trouve, il faut refaire tous les trucs avec les cascades. Tu donnes de la vie toi ou pas? C'est un dragon, d'accord, merci, au revoir. Un dragon qui crache des tétards. C'est inquiétant. Si je fais un tour de magie dans son... Aïe! Ça fait quoi? D'accord, donc ça c'est la mort. On va essayer un autre truc. Ça me touche pas, ça y est, je suis mort. Il n'y a pas de... Salut Nathan, comment ça va? Nathan Drake. D'accord. Ça je peux pas taper dedans, c'est ça? Si, on peut. Ah oui, mais la précision. Précision légendaire. Vraiment le bout du pied sur le spermatozoïde. Paf. Paf. Ah mais ils évoluent. Ils ont des pattes maintenant. Est-ce qu'il prend des dégâts quand même ou est-ce que c'est juste les spermatozoïdes qu'il faut que je tue? Je crois que je lui ai mis un dégât. Sapristi, désolé, j'ai reset. J'ai paniqué. Dans la panique, j'ai pas appuyé sur les bons boutons. Allez, je commence à paniquer trop là. Voilà. C'est ça en fait. C'est lui qui prend des dégâts. C'est pas les spermatozoïdes. Hein. Faut vraiment que j'aille taper dans son visage. Et que j'arrive à éviter le tétard. Yes! Il a changé de couleur, c'est bon signe. Mais il balance des bulles! Et je suis Jackie Chan, je meurs à cause d'une bulle de savon! Mais oui, bien sûr, c'est tout à fait logique! Parce que Jackie Chan, il est au moins aussi faible que moi. Une bulle de savon dans les yeux, non mon dieu, au secours, je vais mourir! Au moins, il n'y a plus de spermatozoïde, et ça c'est bien. Cette phase est plus facile. J'ai même le luxe de faire des sauvegardes. Ça c'était idiot par contre. Paf! Donne de la vie, toi. Je peux pas taper la grenouille. Attends, on peut la taper la grenouille ou pas? On peut pas taper la grenouille. T'as pas fini ton Tomb Raider du coup? Ah si, complètement. Ça va bien, et toi les vacances c'était bien? T'as l'air en forme. En forme de quoi? Je ne sais pas. Mais oui, effectivement, on a eu des vacances, c'était le mois de juillet, effectivement. On a eu des vacances, et ça c'était bien. Ça a permis de se détendre un petit peu. Mais si, on a fini Tomb Raider, hein, quelle infamie. Au secours.
Tomb Raider. Tomb Raider, la fin en plus, j'étais dégoûté parce que la fin elle est vraiment pas bien, quoi. Elle est vraiment pas bien. Déjà, tu peux être bloqué dans le jeu. Tu peux être softlock parce que à un moment tu te fais piquer tes armes. Et tu peux aller jusqu'au boss sans tes armes. C'est quelque chose de possible techniquement. Ce qui fait que tu te retrouves face à un boss sans armes. Ça n'a gêné aucun développeur. Et bien évidemment, t'es obligé de le tuer. Donc, si tu récupères des pistolets quand même. Mais bon, les pistolets. Déjà, on l'a tué au fusil à pompe, c'était long. Ah, mais je suis pas obligé de. Je peux prendre des dégâts maintenant, on s'en fiche. Hein ? Je vais peut-être faire ça. Tac. J'ai pas vu la fin de Tomb Raider. C'est pas grave, il existe des rediffusions pour ça, heureusement. Attends, pourquoi il a mis un coup de pied là ? Explique-moi. Coup de poing. Ah, voilà. Aïe. Yeti m'a défoncé. Ah ouais, y a pas de coup de poing quand tu sautes. La vie, m'en fiche. D'accord, je perds toute ma vie. Eh ben c'est génial, super. Non mais ils sont sérieux quand même. Ils ont mis des méduses là. Ils ont mis les trucs méduses alors qu'il n'y a pas de période d'invincibilité. Ils te mettent de la vie dans le truc, dans un truc que tu peux pas aller chercher. Et là il y a plus la vie. Là ils me donnent une technique maintenant. Arnaque totale. Ce jeu, il est vraiment trop inspiré de Megaman. C'est un vrai problème. Ah bah, abracadabra. Ah d'accord. Faut pas le tuer comme ça. On va juste esquiver les ennemis. Ah, on peut pas faire ça donc. Il me met deux dégâts. Parce qu'on peut pas tu peux pas le tuer. Voilà, vous voyez, c'est ça que je vous explique par rapport au... Là je me fais toucher, comme il n'y a pas de période d'invincibilité, là je perds toute ma vie, parce qu'il est sur moi. Alors que dans tout bon jeu qui se respecte, il y a une période d'invincibilité en fait, quand un ennemi est en train de te rouler dessus, t'es invincible pendant une petite période, histoire de pas te manger 700 points de vie dans la tronche quoi. Tu vois ? C'est ça normalement le principe. Il a l'air bien ce jeu, c'est quoi ? C'est Jackie Chan sur NES. Bien, j'irai pas jusqu'à dire ça. Il est cool, mais il a des lacunes. Hein. Déjà, il est beaucoup trop inspiré de Megaman. Voilà. Et comme je l'explique, hein, la période d'invincibilité là, ça c'est un truc qui évite justement de te faire rouler dessus par un ennemi et de perdre toute ta vie d'entrée. Mais dans ce jeu-là, ça n'existe pas. Donc du coup, tu te fais rouler dessus par un ennemi, tu perds toute ta vie. Et quand tu meurs, c'est game over. Y a pas genre tu vas avoir une autre vie. Non. Tu meurs, c'est game over, tu refais le niveau. Donc, on est Megaman style. Hein. C'est quoi ça? Y a un pied et ça me tue immédiat. La précision aussi, là t'as vu, je mets un coup de pied au oiseau, comme j'ai pas le bout du pied qui est sur son museau, ça le tape pas, et c'est moi qui prends un dégât, parce que il faut de la précision. C'est intéressant d'avoir de la précision quand t'es en dehors de l'écran, tu vois. Paf. Tu vois, là, c'est ça la précision. Et donc là, maintenant, faut faire le truc sans tomber, parce que sinon il y a le pied du démon. Et après, game over. J'ai trop peur. J'ai gagné une vie. J'ai regagné toute ma vie, je sais pas pourquoi. J'ai attrapé une boule verte et cette fois, ça a donné de la vie. D'habitude, ça donne rien. Dessus, c'est ça? Ah. Yes. Ta 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 ta. Ça ressemble beaucoup trop à Megaman. Ah, tout va bien.
D'accord. J'avais zappé ça aussi. Les carapaces qui tombent. Le boss. Ah, c'était lui, en fait, le roi démon, là. Tiens, coup de pied dans l'œil. Ah ouais, la précision aussi, hein, la hitbox, elle est vraiment juste dans l'œil. On peut le faire. Par contre, heureusement, il a pas une période d'invincibilité incroyable. Il est juste pas faillible quand son œil est fermé. Mais par contre, la précision, hein, vraiment. Vous voyez, là. Là, mon pied, il est dans son œil, mais c'est pas le bout du pied qui est pile dans l'œil, quoi. Ah, je peux faire ça. Je lui ai fait tellement mal là. Allez, meurs. On reste qu'un point de vie. Allez, c'est terminé. Je vais arriver. Oh là là, mais sérieusement! Quelle heure, je surveille aussi l'heure. On a encore le temps. Et voilà! La mort, elle est sale par contre. Tu connais le jeu Sifu sur PS5? Je connais Sifu, ouais. Mais PS5, c'est pas du rétro PS5 par contre. Était très à la mode Sifu il y a quelques mois. Paf! Je l'ai one shot par contre, ça c'est bien. Et là on voit plus rien, c'est beaucoup trop Megaman. Hein. Et oui, c'est exactement comme dans Megaman. Tu tues l'ennemi qui possède la lampe, tu vois plus rien. Même les boules, hein, les boules, là, c'est Megaman aussi. Hein. Ça serait bien d'avoir de la lumière un jour. Si ça vous ennuie pas. Yes! Ah, ça sent pas bon. Il y a un mur. Je peux pas le tuer, ça, si? Non, je peux pas, c'est invincible, ça. Alors, c'est super parce que du coup. Il y a une plateforme quelque part? Ah, yes. La date. On souffle, hein. Un bon Castlevania sur SNES. Ah, alors je suis partagé. Parce que Castlevania, j'aime beaucoup. Ça, je sais pas si vous l'avez déjà dit. Castlevania, j'aime beaucoup, mais uniquement les Castlevania où on contrôle un démon. Donc quand on contrôle un Belmont. Un chasseur de vampires. Ça va pas. C'est des gens qui veulent tuer ma famille. Je suis pas content. Le gameplay, en fait, c'est pas du tout les mêmes gameplays. Et les gameplays avec les Belmont, avec leur fouet, là, ça me
me sort par les yeux. Par contre, les gameplays avec, avec Soma, avec Alucard, les gameplays avec des démons, en fait, là, tout de suite, c'est, je trouve ça beaucoup plus fun. Mais après, chacun ses goûts. Hein. Et du coup, bah malheureusement, sur Super NES, les Castlevania, c'est des belles mondes, quoi. Alors ouais, il y a Castlevania 4, où il y a Bloodlines aussi sur Mega Drive. Tu contrôles... c'est lequel? C'est Richter, il me semble. Contrôle. Qui est une référence en la matière. Mais quitte à vous conseiller des Castlevania, je préfère vous conseiller Symphony of the Night, qui est selon moi le chef-d'œuvre du Castlevania. Et puis après, Aria of Sorrow sur Game Boy Advance. Symphony of the Night qui est sur PlayStation. Et Aria of Sorrow qui est sur Game Boy Advance. Il y a Dawn of Sorrow aussi qui est sorti sur DS, il me semble. Là, les deux premiers que je vous ai cités, ils sont dans la console. N'oubliez pas un code promo J10. Le lien est dans la description. Oh là là! Je prends des risques, mais ça va passer, ça va passer. C'est passé. Et on les avait fait d'ailleurs, on avait joué, je vous avais montré ces jeux là parce que je vous les conseille parce que c'est des jeux, c'est des vrais bons souvenirs et je leur trouve que très peu de défauts. Même la difficulté qui est assez relevée, c'est quand même pas frustrant comme un Megaman ou comme là le Jackie Chan qui étrangement devient plus simple. Alors est-ce que c'est parce que je joue plus? Ou est-ce que c'est parce que les niveaux sont plus simples? J'en sais rien. Je pense que c'est parce que je joue plus. Mais ça ressemble quand même énormément à Megaman. Ouais, non, mais par contre, l'invincibilité, là, la frame d'invincibilité, alors que tu te prends le rayon laser, là... Abusé. C'est pas du rétro, mais il est cool. Je retrouve, il y a le jeu McDonald's sur Megadrive qui est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Ronald McDonald, non, pas Ronald McDonald, tu penses à Global... Comment il s'appelle? Global Gladiator, il me semble. Qui est sorti sur Game Gear également. Et tu dis qu'il est pas mal, mais parce que juste t'as un bon souvenir d'enfance. Mais en vrai, il est pas très bien comme jeu. Tu sais, c'est comme Spyro. C'est les souvenirs erronés d'enfance. C'est que tu crois que c'est des bons jeux, mais en fait non. Parce que c'est juste les jeux de ton enfance. C'est tout. En vrai, quand tu le refais, tu vois à quel point il est vraiment pas ouf. Ah, c'est risqué de faire ça. Ce niveau-là ressemble tellement trop à Megaman. Au moins dans Megaman, il y a une période d'invincibilité. On va y aller vraiment tranquille. Hein. Et ça bouge ou pas? Non. Ok. Je peux pas le tuer. Ah, il passe derrière les colonnes. Aïe. Oh non, mais sérieux. Je me fais défoncer par le truc derrière la colonne. Oh là là, il y a zéro invincibilité, hein. C'est un truc de ouf. C'est bon. Ah, faut vraiment que je prenne mon temps. Je sais beaucoup trop de speedrun. 1945 sur MIME. 1945, c'est quoi? C'est le jeu d'avion, non? Quand tu refais, tu vois trop les défauts. Mais à l'époque, ça allait. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, on baignait tellement dans des jeux extrêmement durs que du coup, on était habitué en fait à avoir des trucs. Mais avec le recul, c'est infaisable en fait. Les jeux, ils étaient infinissables. Même là, on l'a vu, hein, on a refait Tomb Raider, on le voit que le jeu il était infinissable. Faut juste faire ça. Vraiment, jusqu'à la fin des temps, je peux faire ça. Ah, c'était pas le boss.
ça explique tout. Donne de la vie, toi. Tu peux pas donner de la vie. Dommage, j'aurais préféré qu'il me donne de la vie. Ah, là par contre, ça va être moins rigolo. Et oui, évidemment. Si je suis là, je suis invincible. Yes. C'est bon. Attendez, je regardais le chat, du coup j'ai pas pris la grenouille. Il me faut la grenouille parce qu'il va me donner de la vie. Donne de la vie. Voilà, ça c'est mieux. Il est trop bon. Du coup, le 1945, le shoot 'em up. Alors du coup, si on parle de shoot 'em up, il y avait les caves que je trouve vraiment, vraiment très très bien. Alors les caves, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une société de jeux vidéo qui sont spécialisés dans le shoot 'em up. Par contre, ils sont difficiles. C'est vraiment dur. Mais je les trouve ultra fun. C'est des jeux d'arcade. Je pense notamment à... je crois que Ikaruga c'est un cave, mais je suis pas sûr. Mais je pense au Dodonpachi. Dodonpachi c'est vraiment fun. Du coup je te conseille ça si jamais tu veux découvrir. Il est sorti sur arcade et il est sur Dreamcast il me semble également. Je crois qu'il y a une version PlayStation. Je sais pas si je l'ai d'ailleurs sur ma console Dodonpachi. Ah il y a mon pote. Wesh. C'est barré sans moi. Je peux pas le... D'accord. Bah très bien. Et... on va avoir un boss de fin là. Il a une période d'invincibilité incroyable. Regardez-moi ça. T'as de points de vie exactement. Ah. Je me fais éclater la tronche. Aïe. Terminé. J'ai un moyen où je peux le tuer ou c'est que dans ma tête? Esquive. Il a pas pris le dégât là. Et là c'est moi qui ai pris un dégât, sérieux. Ça m'a tué, je sais pas pourquoi. On saura jamais, hein, d'ailleurs. J'ai pris le dégât, là, vraiment. Alors que je suis au-dessus. Mais quoi? Oh là là, mais regardez-moi cette hitbox de l'enfer. Je suis obligé de tricher. Et là j'ai quand même pris un dégât. Mais pourquoi? Il meurt jamais, hein. Invincible. Ça m'a tué parce que... Là ok, mais... Là je fais ça. Et là je meurs parce que...
Il décède pas. Hein. Il a changé de couleur. Il est bleu quand même. Ça va, il lui reste plus que 700 points de vie. Tout va bien. Oh là là, mais sérieusement. Ça y est! Donne le pouvoir! J'ai pas eu le pouvoir. C'était même pas un boss de fin. Y a une suite au niveau. Ah non, y a une princesse. C'était le boss de fin? C'est tout? Elle me fait même pas un bisou, rien, j'ai fait tout ça pour que dalle! Lui non plus, il me fait pas de bisous! Je suis dégoûté. Bien joué, merci beaucoup. Mais c'était pas la fin, visiblement. Il y a un vrai boss derrière. Et je le fais avec la même barre de vie. Hein. Magnifique. Donc on va tricher. De ouf. Dommage. Aïe. Les phases 2, elles sont toujours plus faciles que les phases 1. Je sais pas pourquoi change la difficulté en cours de route. Parce que cette phase là, regardez-moi ça là, c'est inévitable. J'ai pris un dégât à cause de quoi là? Deuxième boss de fin, visiblement. C'est fini? J'ai droit à un bisou maintenant ou pas? Non, on se regarde dans le blanc des yeux, comme ça, jusqu'à la fin des temps. Il vient de se passer 2 jours. Hein. Je ne peux rien faire, hein. Je peux pas faire de bisous, je peux pas sauter, je peux pas mettre de coups de poing. C'est la fin. La fin, c'est ça. Il n'y a pas de crédit, il n'y a rien du tout. Je peux rien faire, là. Ah si, ça y est, voilà les crédits. Ils se sont regardés pendant 5 jours. Avant qu'il y ait un crédit qui se passe. C'était dur. C'était dur, mais c'était, il est fun comme jeu. La musique est cool. Par contre, la difficulté, elle est hallucinante. Mais... c'est pas aussi difficile que Tomb Raider, c'est pas aussi difficile que d'autres jeux qu'on a pu faire. La difficulté en fait là, elle réside surtout sur les hitbox en fait, principalement. C'est-à-dire que en fait quand tu dois taper un ennemi, il faut vraiment bien cibler, c'est le bout de ton poing, le bout de ton pied, sinon tu prends un dégât. Il n'y a pas de période d'invincibilité, c'est-à-dire que quand tu te fais taper, si le mec t'enchaîne 50 coups, tu perds 50 points de vie. Et puis, c'est bon quoi. Tu meurs, game over. Il y a pas de continu quoi. Enfin si, il y a un continu, mais en gros t'as une vie par continu et t'as 4 continus, donc t'as 4 vies pour finir le jeu et terminer quoi. En plus je dis 4 vies, mais je suis même pas sûr. Je crois que c'est 3. C'est pour ça qu'on a beaucoup triché. Hein. C'est la fin les enfants. On va arriver à la fin du live. Je vais en profiter pour regarder si sur PlayStation j'ai Dodonpachi, Ikaruga, le jeu dont je vous ai parlé. Au pire, je pourrais les mettre si vraiment vous voulez les voir. Mais je crois que je l'avais déjà vu. Il y a Dodonpachi. Je vous montre très vite fait avant d'arrêter le live. On va s'arrêter là. On va essayer de trouver un autre jeu pour la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions, profitez-en là dans les 5 dernières minutes qui nous restent, on va dire. En fait, je vois qu'il est 21h, moi, de mon côté, mais je vais vous accorder 3-4 minutes, histoire de me suggérer des jeux. Et puis qu'on voit si on peut mettre ça pour la semaine prochaine.
Je vous montre vite fait Donpachi à quoi ça ressemble. Donpachi, c'est les jeux Cave. J'ai pas Ikaruga, il est sur Dreamcast, je crois pas avoir. Je crois pas avoir les Ikaruga. Même un petit jeu, hein, même s'il faut que ce soit un jeu qui se fasse en, en une heure, ça le fait. Hein. Alors, insère le coin. On insère un coin. Parti. J'ai pas lu, je me souviens plus comment on fait. Ah oui, alors, est-ce que ça va pas nous poser problème ça? Wing leader to base. Wing leader to base. Commencing operation. 3, 2, je regarde un peu. Ça a l'air d'aller. Alors, c'est. En fait, ce jeu là, il fonctionne au point, c'est-à-dire qu'il faut être au corps à corps pour faire plus de points. Et il y a des combos à faire aussi. Enfin, un vrai jeu à scoring au Japon, il fait un carton ce jeu. Et moi c'est le genre de jeu que j'aime bien, tu vois, très arcade, très il y en a plein dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle des Daimaku, c'est Daimaku, Danmaku, Daimaku je crois. C'est très fun, très dur. Par exemple, je suis déjà mort une fois parce que c'est un coup mort. Bullet L. Si on retraduit ça en anglais, les bullet L. Ah! J'essaie de vous montrer au moins un peu le principe. Plus en détail. Parce que là pour l'instant c'est le début donc il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de bullet. Voilà. Mais là on commence déjà à comprendre le principe. Avec des patterns. Ceux qui me connaissent de ma chaîne perso savent à quel point j'affectionne un jeu qui s'appelle The Binding of Isaac, qui pour le coup contient également ce genre de ce gameplay en fait. Mais bon, Isaac c'est un jeu qui est extrêmement complet et qui contient presque tous les genres. Je crois qu'il n'y a juste pas de versus fighting. Il y a un peu tous les genres dans Isaac. Et Ikaruga, il est plus impressionnant encore. Je vais regarder quand même si. J'ai pas un Ikaruga. Bon, c'était 3 vies. Je regarde vite fait si j'ai pas Ikaruga. Pour vous montrer le principe également. Mais je crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Il est sur Dreamcast, Ikaruga. Mais je crois pas qu'il a Dreamcast. J'ai fait le tour. Mega CD. Non, j'ai pas la Dreamcast. J'ai pas la Dreamcast, du coup, je vais pas avoir Ikaruga. Par contre, c'est quoi que je voulais voir? Ah ouais. Je retourne sur PlayStation. Voilà, celui-là. Celui-là, je vous le conseille. Castlevania Symphony of the Night. Je vais pas pouvoir vous le montrer là, on a terminé, mais Castlevania Symphony of the Night. Pépite ce jeu. Il faut le finir à 216%, je crois. Je sais pas si c'est celui-là qu'on avait fait. Celui-là, je l'ai refait plein de fois parce qu'il est génial. Mais on avait fait Aria of Sorrow sur Game Boy Advance. Mon Castlevania préféré, mais oui. C'est le meilleur Castlevania qui soit jamais sorti. L'exploit n'a jamais été refait. Mais Aria of Sorrow est quand même excellent. C'est un peu la suite de Symphony of the Night, Aria of Sorrow, si tu regardes bien. Du coup, voilà, je vous conseille celui-là. On va pas partir sur celui-là pour la semaine prochaine parce que voilà, on l'a déjà fait. Mais voilà, moi je suis méchant. Chacun sur Mega Drive. Je l'ai jamais fini à l'époque. Je le connais pas du tout. Peut regarder, mais je crois que Chakan, j'arrive même pas. Il y a un truc de sélection de niveau, il me semble, et je crois que j'arrive même pas à lancer la sélection de niveau. Donc, si t'es là, ça me gêne pas. On peut regarder. Est-ce que je l'ai au moins? Ouais, je l'ai.
Je crois qu'il y a le truc de sélection de niveau là, mais que j'ai jamais compris comment ça marchait. Donc, je suis pas contre, je le connais pas. Je le connais pas celui-là. Donc, si tu veux, pourquoi pas. J'attends la version Jap, les niveaux supplémentaires. La version Jap a des niveaux supplémentaires, ça, ça me dit rien du tout. Par contre, effectivement, il y a le château inversé. La version japonaise, elle a rien de particulier. C'est la version Saturn qui a quelque chose de particulier. Tu peux faire... comment ça s'appelle ? Tu peux jouer avec Maria sur Castlevania Symphony of the Night sur Saturn. Wonder Boy 3 sur Mega Drive. Attends. Wonder Boy 3, est-ce que je l'ai ? Le problème de Wonder Boy, c'est que j'ai fait le 5. Et que je sais que je vais pas le finir. Mais Wonder Boy 3, c'est celui-là, du coup... Je sais pas, voilà, ça, moi je parle de celui-là, là. Wonder Boy 5, là. Tu parles duquel, toi ? Tu parles de celui-là, Monster Lair ou Monster World ? Si c'est Monster World, je te dis non direct, parce que je l'ai fait il y a un an, à peu près. Il est infinissable. C'est très très bien au début. C'est très gentil, tout choupi et tout ça. La fin, en fait, t'as une grosse marge de difficulté d'un seul coup, en fait, à un moment. Et alors la fin, c'est la marche impossible. Genre, ce n'est pas faisable par un humain, quoi. Mais vraiment, hein. L'autre, celui-là donc, le 3. Celui-là, je crois pas l'avoir fait. Donc peut-être, pourquoi pas. On peut tester les deux. On peut tester les deux. Voilà les enfants, on va s'arrêter là. Wonder Boy Arcade. Alors attends, Arcade, je crois pas avoir. Et du coup, il y a quoi de différent le Wonder Boy Arcade ? Après, la petite musique de Street Fighter là. C'est le même ? C'est celui-là ? Ah, c'est pas le même ! Ah, il y en a encore des nouveaux ! On a Monster Lair, Wonder Boy 3, Monster Lair, on a Monster Land également. Du coup, il va falloir prendre une décision, les enfants. J'adore en plus avec la musique du character select de Street of Rage, ça marche très bien. Street Fighter. C'est où là ? Non, je vais pas. On va s'arrêter là. Il faut s'arrêter là. N'oubliez pas les enfants, voilà, si cette console vous intéresse ou n'importe quelle autre console de la console rétro vous intéresse, vous pouvez utiliser le lien dans la description bit.ly/RetroJ et surtout n'oubliez pas le code promo J10 bien sûr pour avoir une magnifique réduction sur la commande, hein, ça c'est important. Castlevania, je suis un dingue de la licence, j'ai même la version collector de Symphony of the Night avec le boîtier double qui contient l'OST. Ah. Est-ce que tu connais la piste secrète ? Du coup, si t'es un grand fan, j'imagine, Nathan Drake, tu dois connaître la piste secrète qui est sur le CD PlayStation. Le CD PlayStation, en fait, qui est un CD noir, tu le mets dans ta PlayStation, t'as le jeu, y a pas de problème. Mais si tu mets ton CD dans un lecteur CD, tu verras qu'en fait, il y a deux pistes. Et la première, c'est la piste qui contient les datas, et la deuxième piste, c'est une musique originale cachée de Symphony of the Night. Si tu ne connais pas cette piste, je t'invite à le faire directement ce soir pour découvrir le truc. As you can see, this is a PlayStation Black Disc. Part number one contains computer data, so please don't play it. But you won't listen to me anyway, will you? Je crois que c'est ça le tout début de la piste, hein, si je m'en souviens bien. Avant de dire mon Jay, gros bisous à tous. Ça marche Jérôme. Et gros bisous à tous, je vous laisse là. La console rétro, les enfants. La-console-rétro.fr, code promo J10 pour avoir une magnifique réduction sur votre commande de cette console qui contiendra du coup la même chose que moi normalement. Voilà les enfants, des gros bisous, prenez soin de vous, comme d'habitude, prenez soin des autres, à la semaine prochaine avec, je ne sais pas, Shakan ou Wonder Boy, on verra, ça dépendra de mon humeur. Des bisous à tous, ciao.